Je m'appelle Bernard Ben Saïd, je suis le président fondateur du groupe Doctogestio. Alors c'est un groupe aujourd'hui de 6000 personnes qui travaille sur trois métiers. Le premier métier, c'est le médico-social, donc tous les publics fragiles, personnes handicapées, personnes âgées et jeunes publics. Le deuxième métier, c'est le sanitaire, donc là cela concerne tous les Français. Donc là, on exploite des cliniques, ce qu'on appelle MCO, médecine chirurgie obstétrique. On exploite des centres dentaires, des centres de santé, des centres optiques, des centres audio et même des centres thermaux. Et enfin, le dernier métier du groupe, c'est l'hôtellerie. Et nous exploitons à la fois des campings, des auberges de jeunesse, des clubs de vacances, des résidences de tourisme, mais également des hôtels de luxe. Alors aujourd'hui, on est à Gênes parce que, bien entendu, pour nous, la digitalisation des entreprises est fondamentale. On pense que sans digitalisation, les entreprises traditionnelles sont condamnées. Et donc, nous investissons énormément dans cette digitalisation. Alors on investit dans cette digitalisation à deux niveaux. Premièrement, on casse, lorsqu'on reprend les entreprises, toute l'informatique existante. On casse tous les workflows, on casse tous les process et on reconstruit des process uniquement axés sur la digitalisation. Pour ça, on s'appuie énormément sur les outils de Google, ça c'est le premier levier. Et deuxième levier, pour montrer aux salariés des entreprises traditionnelles que ben, il faut pas avoir peur de la digitalisation, il faut pas avoir peur de tester, il faut pas avoir peur des échecs, on incube des startups. C'est un lieu de rencontre, d'expérimentation, d'opportunités dans le Grand Est de la France. Ben, je vois un salon jeune, je vois des gens très impliqués, des gens ouverts, des gens qui ont soit qui sont nouveaux et donc qui sont ouverts par définition, soit des personnes qui connaissent, qui sont plus anciennes mais qui s'ouvrent et qui sont ravis d'échanger, de discuter et de partager des visions différentes. Donc pour moi, c'est un salon qui m'a beaucoup apporté, qui me semble très prometteur, et j'espère être invité dans des sessions ultérieures.